Moi je m'appelle Martin, donc je suis guitariste du groupe Vagina. Alors moi c'est Victor, je suis à la batterie et au chant. Moi c'est Gabi, je suis à la basse et au chant lead dans le groupe Vagina. Alors j'ai commencé à bosser comme backliner pour le groupe Placebo et ça m'a donné envie de créer mes propres morceaux. Donc du coup j'ai trouvé des musiciens, donc c'était en 2003-2004 et en 2005 le groupe a commencé à se former, Vagina, voilà. Donc après il y a eu plusieurs musiciens, au départ on était 5, enfin voilà, ça, comme beaucoup de groupes le line-up change. Et puis au fur et à mesure du temps, eh bien, Victor est arrivé, ensuite Martin qui il y a 2 ans qu'il est arrivé et voilà. Bon, on est un groupe de rock français déjà, on chante pas en anglais. Ça fait notre petite originalité. Alors après, on est peut-être rangé dans une case rock, parce qu'il faut toujours coller, mais on est musicien avant tout, et donc du coup, en fait, on se permet d'exploiter tous les styles. Alors, certains pourront trouver qu'on se cherche, mais c'est pas le cas, on est musicien, donc on peut passer d'un jazz rock à du hard rock, et voilà, on exploite vraiment tous les styles. Voilà, c'est éviter d'être monotone aussi dans notre art. Après, on a pris une décision qui est de retourner un petit peu aux sources. C'est vrai que tout ce qu'on entend maintenant à la radio, enfin voilà, les disques qui sortent sont surcompressés, surproduits, surréalisés. Donc, on a habitué les gens aujourd'hui à écouter une musique gavée de basse. Et bon, nous, c'est pas le cas. On est revenu à un style très vintage, on va dire. Donc, effectivement, ça peut paraître amateur pour certains, pareil. Mais bon, il y a la chaleur, on entend le bois des instruments, etc. quoi. Le clip a été réalisé par Ander Andera, c'est une association de Sainte-Afrique. Qu'on avait rencontré après avoir vu un clip qu'ils avaient réalisé quelques mois avant, et on avait trouvé qu'ils avaient fait du super travail, donc on les a contactés, on a présenté le projet, on avait déjà quelques idées, nous, parce que ça faisait un petit moment qu'on le voulait, ce clip, qu'on l'attendait, et donc on s'est rencontrés, ils ont écouté l'album, ils ont accroché au projet, et après ils ont apporté toutes leurs idées. Donc c'est un clip qui a été tourné à Millau, à l'Hôtel Dieu, dans un dernier étage assez glauque. Ouais, très glauque. Et voilà, et on voulait surtout incorporer un dessin animé au clip pour qu'il y ait une histoire parallèle, que ce soit pas uniquement un clip avec un groupe de rock qui joue. Et voilà, donc ça s'est tourné en une journée. Du coup, c'est Benoît Lacou, un dessinateur de Bordeaux, qui nous a fait le dessin animé. Et voilà. Alors on a plusieurs dates de prévues là, début d'année prochaine, au mois de janvier, donc le 23 à Orange, le 24 à Grenoble, à Saint-Étienne le 26 janvier. Ensuite, ben, on a un petit concert à la radio avec Rock en Folie, toujours fin janvier, puis Lyon et Saint-Étienne également fin janvier. En février, on part jouer en Suisse, quelques jours en Suisse. Encore plein d'autres dates qui sont en train de tomber. Ouais. Mars, on retourne vers Genève. Mars. Voilà. Toutes les dates et même le clip du titre Évolution, toutes les dates sont sur le site officiel, hein, vaginaofficial.com. Et voilà, donc là, il y a toute l'actu, que ce soit le clip, les dates, etc. etc. Donc cet album qui s'appelle Là où les mots nous laissent, c'est notre deuxième album. Le premier était sorti en 2011, il s'appelait Made in Silence, était distribué par Mosaic Music. Et pour cet album-là, on a signé chez V Music, Yvan Vanouche, à Bordeaux. Et on est aussi accompagné par MEO Music de Montpellier, MEO Office, qui s'occupe de la promo, un peu de booking, etc. Donc la date de sortie de l'album n'est pas encore annoncée. Mais ça ne saurait tarder, ouais, courant 2015, je pense. Ouais. Fin 2014, début 2015, par là. Voilà. Début 2015, plutôt, je pense. Ensuite, ouais, le disque a été produit par Boxsheet Prod, qui est notre propre production, en fait. À l'origine, ça nous a permis, comme on est intermittent du spectacle, de nous déclarer, de faire les choses en règle. Et puis, c'est une association qui a pris de l'ampleur. On produit d'autres groupes. Et voilà, donc ça avance, ça suit son cours de tous les côtés. Et voilà.
Il n'y a qu'une seule dictature, celle de ta nature. Rêve moribond, condamné pour haute trahison à l'oubli. Sentiment d'espace. Boréalité, on y sent, tout tourne, tout tournera. Ce sera l'infini, c'est dans notre place qui de droit. Soyons